Bien, peut-être un petit mot, j'ai bien entendu la consigne, mais un petit mot quand même de la structure pour laquelle je travaille. Et avant cela, peut-être, vous pouvez vous interroger sur le pourquoi finalement une collectivité territoriale s'implique et s'intéresse aux questions de coopération internationale, de solidarité internationale. Après tout, il y a un débat politique assez vif dans nos collectivités. Je pense que Mme Sapin pourra dire la même chose. Où certains prétendent que les collectivités territoriales doivent d'abord s'occuper de leur territoire. Dans collectivité territoriale, il y a territoire, avant de s'occuper de coopération internationale et de concentrer leurs efforts et leurs moyens budgétaires plutôt aux problématiques locales. Alors à cela, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que les compétences de la région font qu'elle est naturellement portée vers l'international. La région, pour résumer très rapidement ses fonctions, c'est avant tout du développement économique. C'est de la formation professionnelle, c'est les problématiques de transport, c'est le suivi des lycées, l'éducation. Et puis c'est aussi tout un ensemble d'actions autour de la culture, du sport, de la citoyenneté. Bref, tout un ensemble de sujets dont vous voyez bien qu'ils ont nécessairement, forcément, une dimension internationale. Quand on parle de développement économique, forcément, on s'intéresse à l'export, aux échanges extérieurs économiques. Quand on s'intéresse à la formation et l'éducation, on pense à la mobilité des étudiants, à la mobilité des lycéens. Et donc on se tourne vers l'Europe et l'international. Donc de par ses fonctions même, de par ses compétences même, la région a un intérêt à travailler à l'international. Au-delà de ça, la région, le Conseil régional, et je pense que Mme Sapin pourra dire la même chose pour la métropole, les collectivités en général, sont sollicitées par des acteurs régionaux qui agissent, qui interviennent à l'international. On pourrait citer les ONG, bien sûr, hein, mais il n'y a pas qu'elles, les lycées, les universités. Tout un ensemble d'acteurs se tournent vers le Conseil régional parce que le Conseil régional subventionne, finance les actions, les démarches qui sont entreprises par un certain nombre d'acteurs à l'international. J'aurai l'occasion sans doute de donner quelques exemples ultérieurement. Et puis, au-delà de ça, certaines collectivités, pas toutes, mais beaucoup, considèrent qu'elles ont une forme de devoir aussi de travailler dans une démarche internationale et de prendre elles-mêmes un certain nombre d'initiatives de travail à l'international. Ce qui fait que beaucoup de collectivités, pas toutes, mais la plupart, en tout cas les plus importantes, se sont dotées de services Europe internationale. Donc c'est le cas pour la région Nouvelle-Aquitaine et j'ai l'honneur d'être le directeur du service qui s'occupe de coopération internationale. J'aurais dû éteindre mon portable. Voilà, pardon. Et donc cette direction a vocation à coordonner le suivi des activités qui sont celles de notre collectivité en matière européenne et internationale. Alors, faire le panorama complet des activités, c'est un peu compliqué. J'ai commencé à le faire un peu. Le travail des collectivités territoriales est surtout connu au travers de ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Donc, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, ça évoque quelque chose. Coopération décentralisée, comme son nom l'indique, c'est la coopération et donc de l'échange avec un certain nombre de partenaires étrangers, décentralisée parce que ça n'est pas quelque chose qui est suivi par le niveau central, mais par les collectivités. Donc c'est une politique reconnue depuis longtemps en France. Je ne vais pas en faire l'historique, mais ça fait déjà quelques décennies que les collectivités, les régions en particulier, sont reconnues comme pouvant avoir un rôle international. Et donc la coopération décentralisée permet à une collectivité comme la nôtre de s'associer avec des collectivités partenaires dans différents pays du monde pour développer un certain nombre de projets. Et notamment, je vais me concentrer là-dessus, ce n'est pas exclusif, mais notamment vers des collectivités de pays du Sud. La région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, a un certain nombre de coopérations avec des régions ou des collectivités territoriales du Maroc, du Sénégal, du Burkina Faso, de Madagascar, du Vietnam, d'Haïti. Comment ça se passe en résumé rapide, on signe avec ces partenaires, avec ces collectivités territoriales, des accords de coopération, on fixe des programmes pluriannuels, en général 3 ans en moyenne,
Et ensuite, on met en œuvre un certain nombre de projets. Alors, pas seul, hein, bien sûr, les collectivités peuvent être acteurs directs de ces accords, mais très souvent, elles font appel à des partenaires, à des opérateurs de la région, c'est-à-dire qu'elles impliquent des opérateurs. On pourrait citer l'exemple de, vous en parlerez sûrement, de ID, par exemple, qui est impliqué dans un certain nombre de coopérations décentralisées de la région Nouvelle-Aquitaine, Initiative Développement. Tout un ensemble d'opérateurs que l'on va solliciter pour mettre en œuvre et appliquer les actions que nous avons prévues, qui sont prévues dans l'accord de coopération entre, signé entre la région et son, son partenaire étranger. Donc ça, c'est un premier volet d'action qui est le plus connu, mais qui n'est pas exclusif, qui n'est pas le seul, puisque les collectivités territoriales, je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure, financent aussi des opérateurs qui, de leur propre initiative, et en dehors du cadre de la coopération décentralisée, s'adressent à la région pour être aidés, pour être soutenus. Par exemple, je ne vais pas là aussi tout développer, mais on pourra revenir plus tard sur, sur le sujet dans la discussion. Par exemple, nous avons, en place, nous avons mis en place un dispositif d'appel à projet de solidarité internationale. Et donc, on ouvre cet appel à projet chaque année et on finance donc des opérateurs qui répondent à cet appel à projet, qui ont des projets qui peuvent se passer n'importe où dans le monde, pratiquement, si je puis dire, enfin, en tout cas, plutôt du côté de l'hémisphère sud, bien entendu. Et la région est là, non pas comme opérateur, comme elle l'est dans le cadre de la coopération décentralisée, mais comme financeur, comme soutien financier des organismes, des opérateurs de la région qui s'engagent dans des projets. La région soutient aussi des opérateurs qui agissent au niveau local pour faire de l'information sur les problématiques internationales. On pourrait parler de sa coopération, dont parlera Gaël tout à l'heure mieux que moi, qui sont des organismes à vocation de, d'informer, de sensibiliser le public, le grand public, entre autres fonctions, sur les problématiques internationales et de solidarité internationale. Donc la région a une vocation, disons, à la fois d'opérateur direct dans le cadre de la coopération décentralisée, mais aussi et surtout, et c'est un peu moins exotique, je veux bien l'admettre, de financeur. C'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout un organisme, une structure qui intervient pour aider, pour soutenir, pour financer des projets qui sont portés par les opérateurs de la région. Tout cela se déroule dans un cadre fixé, bien entendu, par des élus, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une collectivité dirigée par des élus. Je suis sûr que vous êtes passionnés pour les élections régionales qui ont eu lieu cette année, il y a quelques mois, au mois de juin dernier, qui ont permis de renouveler les conseils régionaux. Donc chaque année, chaque 6 ans, pardon, il y a des élections qui permettent de renouveler les structures dirigeantes du conseil régional. Et donc, tout ce que je viens de dire se passe dans un cadre qui est défini, prédéfini, fixé par des opérateurs politiques qui fixent ces orientations avec plus ou moins d'ambition selon les choix politiques, on va dire, qui sont les leurs. Mais de manière générale, on peut dire que les collectivités et l'action internationale des collectivités, Madame Sapin me confirmera ou pas ce qu'elle en pense, mais ont plutôt le vent en poupe, se développent, se renforcent par rapport à une certaine période, des moyens, j'allais dire, plus conséquents. Ça reste quand même très modeste, hein, il faut être tout à fait honnête, sont alloués à ces questions. Et c'est un élément sur lequel on aura l'occasion de revenir, les collectivités elles-mêmes, dans leur action internationale, que j'ai brièvement et sommairement présentée, sont de plus en plus soutenues par des grands opérateurs financiers internationaux. Je pense à l'Union européenne, je passe à l'Agence française de développement, je pense au ministère des Affaires étrangères, qui financent et qui soutiennent les collectivités plus qu'elles ne le faisaient par le passé. Alors, pour terminer, parce que je suis sûr d'être déjà un peu trop long, donc pour aller très vite, l'activité au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la direction de la coopération, c'est une vingtaine de personnes pour s'occuper de l'ensemble des activités européennes et internationales. Donc vous voyez, c'est une petite équipe, c'est un budget relativement modeste, hein, je l'ai déjà dit, on pourrait y revenir plus précisément si vous le souhaitez par des chiffres tout à l'heure. Et c'est une activité où les personnes sont spécialisées beaucoup par zone d'activité, c'est-à-dire que nous avons des collègues, j'ai des collègues qui s'occupent plus spécifiquement de la coopération avec Madagascar, de la coopération avec le Burkina, de la coopération avec le Maroc, etc. etc. Alors c'est un peu simplifié ce que je dis là parce que c'est un peu plus compliqué que ça.
Mais encore une fois, on est sur une compétence qui est une compétence relativement marginale du Conseil régional par rapport à d'autres compétences que j'ai rapidement citées, que sont la formation, le développement économique, l'éducation, le lycée, les transports, etc. etc. Mais, encore une fois, c'est une compétence qui a pris un peu plus de place au cours de ces dernières années et qui aurait tendance à être plus reconnue et plus aidée et plus soutenue par de grands opérateurs internationaux. Voilà, c'est vraiment une présentation très rapide, très sommaire, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion de détailler tout ça un peu après. Merci. Merci, monsieur Arrivé. Du reste, nous avions invité vos collègues, on peut le dire, aux étudiants, pour qu'ils comprennent que dans ce genre de métier, tout à coup, on part en mission, puisque vos deux collègues que nous avions invités sont partis en mission à Haïti, je crois, pour l'une d'entre elles, et la seconde au Sénégal, Alors, il me semble. Exactement, c'est le Sénégal et ça devait être le Burkina Faso, mais malheureusement, je devais moi-même y aller. D'ailleurs, j'avais ce privilège d'y aller pour la première fois. Et c'est un privilège qui sera remis, qui est différé parce que, bien sûr, je pense que vous êtes attentifs pour certains d'entre vous à la situation du pays. C'est une situation un petit peu agitée actuellement et donc il nous a été fortement recommandé de différer ce voyage. Juste un petit mot là-dessus, si vous permettez, pour dire que c'est du métier de terrain. On en reviendra, je pense, là-dessus un peu plus tard. C'est un métier de terrain. Ça nécessite d'aller sur place, d'aller dans les zones et pays avec lesquels on travaille. Ça nécessite de rencontrer les opérateurs locaux également. C'est aussi un travail administratif et financier. Hein, je tiens à le dire. Ça, là encore, c'est un peu moins attirant, peut-être, dit comme ça. Mais bien entendu, on reste un travail d'une collectivité. Donc, ça reste un travail administratif par bien des aspects. Hein, je le dis d'emblée. Pour ne pas semer de l'illusion sur le fait d'être parti toujours par mons et par vos et tous les jours. Il y a aussi une part de travail administratif importante, mais ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on reviendra après. Ouais. Merci, monsieur Arrivé. Bon, je suis un produit d'université, en effet. Donc j'ai fait des études de droit et d'économie dans la belle ville de Poitiers, n'est-ce pas? Et j'ai terminé ces études par un doctorat, effectivement, et mes études étaient donc plutôt généralistes, on va dire. Et c'est à partir du doctorat que je me suis spécialisé sur les problématiques, alors plutôt européennes, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai fait une thèse sur les questions de politique agricole commune, la politique agricole commune, mais sur ces aspects extérieurs. Donc il y avait déjà la vocation à aller plutôt vers l'international, donc c'est un sujet qui m'attirait beaucoup dès le départ. Et donc le début de ma carrière a été plutôt dans le droit fil de ces études, plutôt tourné sur les problématiques agricoles, de travailler pour des organismes consulaires, champs d'agriculture notamment, mais déjà là aussi sur les problématiques agricoles, et aussi dans la logique de montage de projets en fin de séjour, si je puis dire, dans les champs d'agriculture. J'ai été amené à travailler sur le montage de projets européens et internationaux. Donc progressivement, voilà, ma palette s'est un petit peu élargie. Et donc quand j'ai rejoint la région, c'était avec ce bagage-là d'avoir travaillé sur les problématiques européennes, le montage de projets. Et donc c'est ce qui m'a permis d'entrer à la région, où je suis depuis 20 ans déjà. Et donc là aussi, progressivement, ma palette s'est élargie, puisque au départ, pour la région, je travaillais surtout sur les problématiques européennes, avant de me voir aussi confier des questions plus larges, plus internationales. Oui, alors un point important, sur lequel on reviendra peut-être avec Marie-Elisabeth Sapin, c'est le fait que moi, j'ai eu ce privilège, si je puis dire, c'en est un peu, hein, d'entrer sous la forme d'un contrat. Hein, c'est-à-dire que l'accès à des métiers comme les nôtres, théoriquement, et passe par la voie du concours, de la fonction publique territoriale. Donc l'essentiel, la large majorité des collaborateurs et collaboratrices des collectivités territoriales, et la région en particulier, sont passés par le prisme du concours. Et moi, je suis contractuel. Il y a quelques-uns comme moi qui l'ont fait parce que lorsque je suis... C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Ça reste encore vrai, hein, mais c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Sur des profils un peu particuliers, un peu spécifiques, on va dire, la fonction publique s'ouvre aussi à des collaborateurs, collaboratrices par la voie du contrat. Hein. Mais l'essentiel, quand même, pour pouvoir accéder au métier de la fonction publique territoriale, c'est de passer le concours. Et le concours, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que peut-être qu'on y reviendra après, le concours, il a une vocation générale. Donc ça veut dire que lorsque vous avez passé le concours, vous accédez à la fonction publique territoriale, ça ne veut pas dire que vous allez vers tel ou tel métier en particulier de la fonction publique territoriale. Les métiers sont très divers et très variés.
Et donc, ce n'est pas parce que vous aurez obtenu le concours que vous aurez nécessairement accès à des emplois qui correspondent à vos aspirations si vous souhaitez vraiment travailler sur les problématiques européennes ou internationales, par exemple. Hein, voilà. Petite parenthèse à ouvrir que je ne ferme pas parce que je pense que ça méritera peut-être quelques développements au travers de vos questions. Complètement par hasard, on a vu qu'il y avait une très grande diversité de parcours entre tout ce que l'on a pu faire, mais il y a au moins un point commun, c'est l'attrait plus ou moins prématuré, on va dire, qui arrive plus ou moins tôt, mais je crois pour les problématiques internationales et avoir une sensibilité aux problèmes du monde, on va dire. Ça a l'air tout bête de dire ça, mais je pense que ça va mieux en le disant quand même, parce que on peut parfois rencontrer des personnes qui n'ont pas nécessairement cet attrait-là, et je me permets de dire que ça se voit tout de suite. Donc voilà. Alors ensuite, les compétences peuvent être, selon les profils de postes dont on a pu parler, dont vous avez pu voir qu'ils étaient quand même très très différents, c'est évidemment très 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 compliqué. Donc moi, je parlerai de ce que je connais de mon travail, mon emploi. Il est clair qu'il y a une problématique à la fois relationnelle, de travail en équipe, de travail aussi avec les responsables politiques, on l'a dit, Marie-Elisabeth Safin comme moi-même, qui est très importante dans le contexte des collectivités territoriales, bien comprendre les enjeux politiques et avoir cette fibre politique en plus de la fibre internationale dont je parlais. La compétence en langue, ça me paraît assez incontournable. C'est vrai que nos coopérations à nous se passent beaucoup dans les pays francophones, donc l'accès aux langues, je parle de la collectivité, de ma collectivité, hein, je ne veux pas généraliser, hein, mais enfin nécessairement la pratique d'au moins une langue étrangère est plus que recommandée, ça me paraît vraiment indispensable. Et puis je crois qu'il faut avoir aussi, c'est moins drôle et c'est moins peut-être... fun, mais je pense qu'il faut aussi avoir une capacité, une rigueur, on va dire, de maîtrise, de gestion de projet. On a été plusieurs à en parler. On est quand même dans des logiques où il faut gérer les équipes, gérer les budgets, programmer, mettre en œuvre. Et donc, ça nécessite une rigueur. Je pense qu'il y a ce côté un peu exotique, pardon du mot, mais de la coopération et de la solidarité internationale qui laisse penser que... ce dernier aspect est négligeable. Je crois qu'il ne l'est pas, parce qu'on est toujours amené à travailler sur des problématiques qui impliquent gestion financière, gestion de personnel, gestion de projet globalement. Et donc tout ça nécessite une rigueur et un travail très appliqué à des choses qui ne sont pas toujours très drôles.